Bonjour Stéphane Pizza, bienvenue dans Recherche Appartement. Je vais essayer de vendre ce sublime appartement maison duplex à un couple. Alors on va essayer de les recevoir tout de suite. Bonjour et bienvenue Stéphane Pizza. Bonjour. Vous recherchez appartement? Oui. Vous êtes à la bonne adresse. Voilà, je voulais présenter ce bien sublime qu'il ne fallait surtout pas rater. Donc vous pouvez admirer, vous voyez, il y a des planches au plancher, hein. Ça c'est du bon mur, ça. Ils sont porteurs? Ça dépend, c'est porteur, ça porte quand même pas mal la maison, hein, mais vous pouvez faire des trous, hein. La décoration a entièrement été refaite, bonne vis. Ça c'est de la vis de 60, disons que dans le bâtiment c'est ce qu'on fait de plus performant, hein. Donc là pour accrocher des cintres. La penderie pour madame, j'avais pensé. Là, vous pouvez accrocher vos robes. Hein. Pour le dressing, c'est parfait, c'est top. Hein. On est bien, on est pas bien? Oui. Alors, ici, vous avez derrière vous le coin de cuisine. Non, mais il faut imaginer, il faut se projeter. Hein. Donc, ici, vous pouvez faire effectivement un coin de cuisine américaine. Hein. Des placards qui sont d'époque, c'est du Louis XVI. Voilà, vous pouvez stocker divers accessoires, divers ustensiles. Hein, avec la décoration du 16e, hein, tout à fait. Donc déjà, je sens que vous êtes enchanté, hein, par ce logement. Oui. Hein. Alors, la vue, je pense qu'au niveau de la vue... Ah, il n'y a pas de vis-à-vis. Pas mieux, hein. Ah non, là, aucun vis-à-vis. Hein. Vous avez la vue sur la mer. Ça, c'était parce que c'était le coin cuisine. C'était l'ancien petit déjeuner de l'ancien propriétaire. Ah, il mangeait les papiers. C'était un mangeur de mouches. Hein. Logique. Donc l'ancien locataire mangeait des mouches. Là je pense qu'au moins niveau vis-à-vis vous êtes tranquille. Hein, vous baladez aisément en sous-vêtements, personne ne sera dérangé. C'est bien, on peut refaire les pièces, quoi. Ah, vous pouvez tout refaire. Là c'est freestyle. Hein. Vous pouvez tout repeindre. Hein. Mais essayez de garder un poumon assez gris. Ouais. L'éclairage, ici on est sur une ampoule à douille, hein. C'est du E27, c'est 230 volts. Hein. Ok. Donc c'est EDF qui nous fournit, hein, forcément. Ah, okay. Et les araignées sont comprises avec? Les araignées sont comprises avec, effectivement. Donc vous pouvez aussi récupérer ce magnifique papillon de nuit. Pour faire quoi? Donc ici vous avez le chauffage. Oui. Le chauffage le reste sur place, hein, donc ça consomme pas grand chose. Hein. Ça c'est très économique. Vous mettez deux bûches. Et ça tient 2 heures. 2 heures. Il y a combien de mètres carrés sinon on va là. Là on est sur un 40 mètres carrés. Ah oui, c'est assez bon quand même. Et sachant qu'il y a 30 mètres carrés non habitables, donc vous payez que 10 mètres carrés finalement sur le logement. Hein. Et au premier étage, qu'est-ce qu'il y a? Alors, au premier étage, voilà, vous avez nous allons voir tout de suite le premier étage. Vous avez une grande chambre et une salle de bain. Suivez-moi, messieurs, dames, je vous en prie. La suite de la visite, vous allez voir cette magnifique chambre, cette magnifique salle de bain. Attention à l'escalier, il est d'époque. Hein. Et les araignées aussi sont d'époque. Au niveau du plancher, là, on est sur du bois stratifié. Hein. Ici, je pensais à la chambre enfant. On pourrait mettre le lit du bébé. Oh, ça serait magnifique ici. Donc ça, vaut mieux pas toucher. Hein. C'est des poutres porteuses. Par contre, sur les côtés, si vous voulez faire une terrasse, une véranda, vous pouvez éclater. Hein. Y a pas de problème. Pas de souci. Ah, je crois qu'on a perdu votre mari. Monsieur s'est fait manger par une araignée. Et maintenant, je vous fais découvrir la sublime salle de bain. N'ayez pas peur, madame. Non, n'ayez pas peur, c'est de la poêle d'araignée, c'est pas méchant. Je vous présentais donc cette magnifique salle de bain avec cette magnifique baignoire de porcelaine, tout à fait. Et effectivement, donc ici, idéal. Hein. Une très belle fenêtre, double vitrage vis-à-vis des fourmis blanches australiennes. Le propriétaire tient à garder les araignées sur place. Hein. Ah, avec les araignées. Non, parce qu'en fait, il y a une partie qui n'est pas habitable. Hein. Donc,
Par contre, il faudra faire une petite colocation avec les araignées. Non, mais c'est les petites araignées, ça va quoi. Ne partez pas, madame, je peux vous faire une réduction. Hein. On est prêt... Non, l'agence est prête à faire un prix. On peut diminuer le prix de moitié. Hein. Je vous donne de l'argent si vous la prenez. Non, parce que ça fait 6 ans que j'essaie de vendre cette maison. Mais c'est pas grave, ça continue. On s'en sort pas, on s'en sort pas, là. Monsieur, revenez, là, qu'est-ce qui se passe? N'ayez pas peur, madame. C'est que des araignées blanches australiennes, hein. Ça mord, ça fait des gros boutons, mais c'est pas mortel. C'est hyper dangereux, votre histoire. Non, vous inquiétez pas, c'est de la bonne marche. Ça, c'est fabrication, c'est du Suisse. Fabrication suisse, c'est très solide. Donc vous vouliez... Madame est partie, est-ce qu'on voulait négocier le prix? Ouais. Vous êtes prêt à mettre combien? Vous avez sur le PL 5, 6, 6 000? 6 000 euros, ouais. 6 000 euros? Ouais, sûr, non. Écoutez, on peut vous la descendre à 4 000. Bon, on va en discuter. Est-ce que vous faites 1 000 euros, 1 000 euros cash? Coupe, ça en fait 1 000 euros, 1 000 euros cash. Fais-moi 1 000 euros. Non. T'as mis une main. Non. Ah, t'as de beaux yeux. Tu veux qu'on aille boire un verre? Tu veux qu'on aille boire un verre? Viens, on va boire un verre, monsieur Vert. Oui, monsieur Duchesne? Allô? Oui, ici Stéphane Pizza, agent commercial pour votre logement. Malheureusement, non, j'ai fait une visite, ils sont toujours pas preneurs. Hein. Ah, mais je sais bien, ça fait 600 visites. Bah oui, déjà 600 visites. Hein. Non, personne n'est preneur, monsieur Duchesne. Hein. Non, je sais pas ce qu'on va faire avec votre maison. Je pense, on m'a suggéré, peut-être en retirant l'étoile d'araignée. Non. Bon, mais c'est pas grave, on va laisser l'étoile d'araignée, monsieur Duchesne. Hein, puis je vous rappelle à la prochaine visite. Au revoir, monsieur Duchesne. Bah ouais. Pas vendu. Pas revendu. Mais non, mais... Le bon coin, ouais. C'est chaud, là, gros. Putain, y a pas d'aération. C'est tout rebouché, les gros. Ça sera coupé au montage, hein. Non, c'est très bien aéré. Ah oui, Vous êtes sud-sud-ouest, y a le vent qui passe.